Ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Decade Challenge. Alors, c'est l'épisode 7 parce que oui, je me suis trompée dans tous les autres épisodes à partir de l'épisode 3 ou 4, je crois. J'ai fait en décalé sans faire exprès. Donc, du coup, là, c'est bien l'épisode numéro 7 de ce challenge. Donc, on retrouve notre Gustave National de Sanson. Notre petite Jeanne de Sanson, et dans l'épisode précédent, on a eu la joie et le bonheur d'accueillir deux nouveaux petits membres. Quelle joie! Arthur et Georges. Donc, la dernière fois, on s'était quitté sur le fait qu'ils pleuraient encore et encore. D'ailleurs, c'était très embêtant. On va enlever pause, ce serait bien qu'ils se mettent. Ah, bon. Alors, ah, voilà. Je suis désolée, vous allez sûrement entendre mon ventilateur tourner, mais il fait une chaleur à crever ici. En plus, dehors, il y a des travaux, donc du coup, vous risquez d'entendre les travaux, donc tout est parfait, hein, dans la meilleure des mondes. Donc, c'est bon, toi, tu vas faire ça. Qu'est-ce que j'avais dit là? Bercer. Parler et bercer. Ok. Donc après, tu vas nettoyer. Ah oui, alors par contre, j'espère que ça va pas bugger trop parce que je suis en train d'essayer de publier une autre vidéo sur YouTube, donc du coup, ça risque de laguer un petit peu. Tu vas nettoyer ça, tu vas nettoyer. Toi, tu vas faire quoi là? N'importe quoi, tu vas rien faire du tout. Tu vas nous continuer. Ah bah tiens, je sais ce que tu vas faire. Tu vas aller tout vendre. Ah non! Tu m'énerves! Juste après, tu iras lui changer sa couche. Oui, ok. Et tu le berceras. Non, c'est plus possible ça. Elle devient incroyablement riche. Au niveau des compétences, lui, au niveau bricolage, c'est pas mal. Et au niveau jardin, c'est 3. Hein. Voilà. Allez, on va devenir riche. Alléluia. Et je pense que je vais agrandir cette maison. Parce que c'est plus possible. C'est trop petit. Tu vas. Ah oui, c'est vrai. Tu vas faire ça. Donc toi, après avoir tout vendu, tu vas désherber. J'espère que vous n'entendrez pas trop le son du ventilateur. Enfin, le souffle du ventilateur. Parce que ça m'ennuierait qu'on croie que je suis au bord de la mer alors que pas du tout. J'aimerais tellement. Mais bon. Allez, Gustave. Là, c'est bien. Et tu pulvériseras aussi ceci. Madame. C'est très bien, madame. Oui, le bébé passe à travers le lit. Et alors? Ah bah tiens, tu vas vider la poubelle. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Ok. 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 Du coup, qu'est-ce qu'on peut lui faire faire, madame? Les bébés dorment. Oh, ça c'est parfait. Allez, allez, allez. Qu'est-ce qu'il lui faut? Discipliné, atteint le niveau 4. Ok, et toi? Ah, on avance hein, quand même, pas mal. Hein. Allez. Bah du coup, ce que tu peux faire, c'est que tu vas le faire. Aussi.
Allez! Il va avoir fini de pulvériser qu'elle n'aura pas commencé. Voilà, comme ça tous les deux, c'est très bien. Ensuite, toi, tu vas aller nous faire un petit pissou. Et tu vas ouvrir. Alors, tu vas manger ça. Hop, manger toast aux œufs. On va vendre la sculpture de lapin à 40. Tu vas nous fabriquer encore une sculpture de couteau. On va refaire toutes les sculptures histoire de regagner encore de l'argent. Dragon. Ah mince. Donc toi, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, tiens, on va utiliser. Nos bébés vont bien. Nos petits bidous. Les petits bidous d'amour. Ils vont bien. J'ai le hoquet. Et à chaque fois que je tourne une vidéo, j'ai le hoquet, c'est pas possible, hein. Ah là là. Voilà. Hop. Ah, pause. 2 secondes. Je veux juste. Ah mince, trop tard. Allez, fais-nous du... vends-nous du rêve. Ah, qu'est-ce qu'il a lui? Tu vas aller le changer. Le serrer dans tes bras. Et enfin, le bercer. Allez, dépêche-toi. Le vent est propre, c'est bon. Deux garçons, quoi. J'arrive pas à m'en remettre, toujours pas. Donc du coup, pendant qu'elle se fait, elle nous fait tout ça, madame, là, j'ai décidé que j'allais tourner le... Donc une semaine, ce sera le Decay Challenge qui est ici. Et une autre semaine, ce sera le défi sans abri. Parce que j'aime beaucoup. Donc voilà. Comme ça, ce sera une semaine sur deux. Comme ça, toutes les vidéos de la semaine du Decay Challenge, quand elles seront publiées, et que ce sera autour de l'autre défi sans abri, du défi sans abri, bah, je pourrai lire vos commentaires, voir ce qu'il faut que j'améliore, etc., etc. Enfin, si vous mettez des commentaires, bien entendu. Donc voilà. Alors, Madame fait la popote et Monsieur bricole. Alors, le bloc de couteau, c'est très bien. On va vendre tout ça. Encore. Toi, tu fais toujours la popote. Ah. On va manger. Toi, t'as pas faim. Donc elle, une fois qu'elle aura mangé, qu'elle aura fini de manger, elle va ranger ça. Ah, elle a fini la sculpture d'eau. Combien elle est? 30. Ah, j'ai gagné 30 siflous quand même. De plus, hein. Parce que là, elle était à 30 et là, elle est à 60. Du coup, c'est parfait. Comment va le jardin? Est-ce qu'il faut l'arroser? Non. Non plus. Alors, tu vas nettoyer, merci. Ah, on fait pas des crados aussi. Voilà. C'est très bien. Merci beaucoup, beaucoup.
Allez, on nettoie. En plus, ça te fait du divertissement. C'est parfait. Chronomeuble Arfino. Oh. Oui, bon, va boire. C'est ta soif, écoute. Toi, t'as besoin de parler, mais tu parleras plus tard. Ah. Changer la couche. On va le nourrir un petit peu. Lui parler. Et le bercer. Allez. Ah. Et là aussi il pleure maintenant. Quand c'est pas un, c'est l'autre. Voilà. Comme ça, ils iront tous très bien. Alors, 40. 60. Voilà. Toi, tu vas nous faire une sieste. C'est bien. Faire une sieste. Elle a gagné encore un point. Enfin, une étape. Hop. Allez, finis-toi. Hop. Bon, j'espère que ça vous plaît. Hein. Parce que moi, franchement, j'ai beau continuer, ça me plaît toujours autant. C'est même une des premières fois où je suis si bien organisée pour faire les vidéos, etc. Donc, j'espère que je vais pouvoir m'y tenir, etc., etc. Parce que sinon, ce serait pas très très cool. Donc là, alors que je vous parle, normalement... Ouais. Il y a une vidéo qui est déjà publiée sur YouTube. Elle devait se publier à 13h aujourd'hui. Donc c'est la première vidéo. Et là, je suis en train de tourner la 7e. Donc, il faut savoir que c'est extrêmement long. Le fait de publier la vidéo sur YouTube, excusez-moi, j'ai loqué encore. Ça me prend énormément de temps parce que je sais pas, ça doit être la connexion qui est pourrie ici, hein, sûrement. Donc du coup, je suis obligée d'attendre la nuit pour les publier ou la journée et je fais autre chose pendant ce temps-là. Donc et comme je suis énormément attendez, comment je dis? Je passe énormément de temps, voilà, je suis arrivée sur mon ordinateur. C'est compliqué, donc du coup, bah là, j'ai décidé de jouer aux Sims. De vous faire le dernier épisode, vu que. Enfin, le 7e épisode, puisque je me suis trompée dans tous les autres épisodes. J'ai décalé tous les épisodes. Mais non! Il m'en reste un à tourner pour la semaine. J'ai déjà les 6 vidéos qui sont montées, elles sont plus qu'à être publiées sur YouTube hein, quand même. Hein. Je suis tout de même. Ah oui, ah non, attends, toi. Tu vas ouvrir. Il est ouvrir, plus de choix. Ouvrir. Tu vas. Prendre une portion. Non, tu ne vas pas dormir, mon Dieu. Toi. Tu es très bien. Tu vas. Voilà. C'est un peu énervant qu'il n'y ait rien à faire pour le moment. Utiliser. Faire des grimaces. Toi, tu ne vas certainement pas faire la vaisselle. Non, 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 je te surveille. Je sens que Arthur va pleurer dans peu de temps. Ah voilà, c'est bien. Tu vas faire un baiser suave. J'aime tellement cette interaction. Ils sont tellement beaux. On va lui faire devenir le meilleur ami. Wow.
Voilà. Conversation Ah. profonde. Huh? Discuter des centres d'intérêt. Borny Fatoza Bab. Piguna. Peniops. Oh, Pimpini. Enlacé. Yes. Oh, et Piazza. Georges Yeah. pleure. Ah bah oui. Forcément. Alors attendez. Ce qu'on va faire, c'est que Wixa. Gustave, tu vas aller faire pipi. Toi, tu vas aller lui changer sa couche. Toi, ensuite, tu vas aller te brosser les dents et te laver les mains et dormir. Toi, tu vas le doigt de liné et le verser. Doigt de liné et enfin verser. Et puis tu vas aller faire la vaisselle. Voilà. Allez. Dépêche-toi. C'est parti, mon kikito. Alors, on va regarder ce qu'il y a dans l'inventaire ici. Il y a une statue de dragon. Inventaire. Il n'y a qu'un miroir? On va pleurer. Voilà. Mais Gustave, t'as rien foutu en fait. Quand tu te lèveras, tu iras nous fabriquer un meuble. Alors, décoration murale, une étagère murale, un guéridon. Rig. Et une table. Qu'est-ce qu'elle va faire? Parler à une plante. Ok. Pourquoi pas? Mais tu crois pas qu'il serait temps d'aller te coucher, ma belle? Parce que les bébés, ils vont pas dormir pendant 12 heures. À mon avis, il y en a un qui va chialer dans peu de temps. Bon, à part ce petit incident, enfin, c'est pas un incident, hein, tant pis. Hein. Ah, stop, stop, stop! Réveille-toi! Nourrir, allaiter, arrête de dormir. Parler. Bercer. Nourrir, allaiter. C'est bien parce qu'il parle et pleure en même temps. Parler et bercer. Et après tu vas redormir parce qu'il est un peu 3h30 du matin. Devenir un bon ami de Jeanne. Oh, c'est mignon, Arthur. Allez, j'en peux plus des pleurs là. Oh là là. Tu vas changer la couche sale. Allez. Voilà, c'est bon? Et tu vas dormir. Voilà. C'est parfait. Oula. Toi, tu t'es levé comme ça d'un coup, sans prier, sans crier gare. Allez. Fabrique-nous des beaux meubles. Allez, allez. Et toi, tu vas nous faire le petit déjeuner, tu vas nous faire des pancakes. Allez. C'est parti. Voilà.
Je savais bien qu'il allait y avoir quelque chose. Et bercer. Et ensuite, tu reprendras les pancakes. Voilà. On sent encore un petit épisode assez calme. Hein. Alors, lui, on va le vendre. Son objet en bois qui est à 500 simflouz. Oh là là, je le vendrai plus tard. Ce que je vous réserve... je pense que je vais refaire un petit peu la maison. Parce que là, ça a pu être... C'est trop petit, quoi. Beaucoup trop petit. Beaucoup trop petit, oui, ça ne se dit pas, je sais. Allez. Allez. Après, il y a quoi à faire? Il y a encore des... Oh là là, le jardin, dans l'état qu'il est. Mon Dieu, le jardin. Tu viendras prendre une portion. Non. Tu vas arrêter. Guéridon, non, non. Tu vas prendre une portion. Hop. Ah là là. On se dépêche. Et toi, juste après, tu vas aller utiliser. Puis. Plus de choix. Par la réponse. Non. Tu vas aller désherber. Désherber. Pulvériser. Voilà. Ah. Ça commence à prendre. On commence à devenir un peu riche. Hein. Donc, du coup, je pense que je vais refaire la maison pour l'épisode prochain. Allez, on y va. Allez, hop. Donc. Je pense qu'on passera en 1900, je crois. Voilà, l'époque d'avant, l'après. Quand les deux garçons seront devenus enfants. Allez. Des herbes. Mon petit chat, des herbes. Quant à monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Oh mince, il a fait la vaisselle. Non, tu ne vas pas faire la vaisselle. Non, non, non. Non, tu ne vas pas faire la vaisselle. Tu vas... faire pipi et pulvériser d'insecticides, ça va t'occuper. Allez, dépêche-toi. Oh là là, bah, du coup non, tu répares, j'ai dit réparer, et après tu pulvérises. Voilà, ce sera madame, bah, du coup, qui va aller tout laver. C'est bon, t'as fini? Tu vas essuyer. Et ensuite, tu vas... aller t'occuper de lui. Nourrir, allaiter, parler, bercer. Et toi, tu pulvérises. Puis tu vas tout vendre. Voilà. Toi. Voilà. Oh, il avait très faim, dis donc. On va l'allaiter lui aussi, parce que de toute façon, quand il y en a un qui chouine, il y a le deuxième qui pleure derrière. Pardon. Je commence vraiment à devenir riche, hein. Ah là là. On va peut-être y arriver. Allez. Et après, tu vas nous reprendre des meubles.
quand tu vas admirer ton bien. Un tabouret de bar. Une table de salle à manger. Et un miroir. Voilà. Qu'est-ce qu'il a lui? Oh là là. Changer la couche sale et verser. Niveau 5. Pour une approche plus en douceur, elle peut aussi discuter avec eux de leur manière, mauvais comportement et leur faire des câlins pour les dissuader de recommencer. Elle a également accès à de nouveaux moyens de satisfaire les besoins d'un enfant. Ok. Ok, non, tu vas pas là. C'était une blague. Tu vas aller faire quoi, toi? Bah tiens, tu vas lire. Lire quelque chose. Et puis... Non, il reste encore un petit peu. Ah! Des factures. Mais comment ça? Bah, tu peux pas. Alors, 567 choses. Oh, ça va. Tu vas finir ça et puis tu vas payer les factures après. Et juste après, tu vas aller lire quelque chose. Voilà. Allez. On se dépêche. Allez, 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 allez. Alors oui, je suis pas... Enfin, je suis une grande fan des Sims, par contre, j'ai pas les moyens de m'acheter tous les add-ons, tous les kits, tous les machins, tous les trucs. Donc du coup, va falloir faire avec ce que j'ai. Donc moi, ça me convient très bien pour l'instant, j'en achèterai peut-être dans le futur, mais venez pas me dire « Ah, mais pourquoi t'as pas saison? Pourquoi t'as pas ci? Pourquoi t'as pas ça ?» Parce que sinon, ça sert à rien. Je peux pas les acheter, donc on verra ça plus tard. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, voyez-vous. Alors, tu vas aller faire pipi et te laver les dents et te laver les mains. Et quant à toi, t'as bientôt fini? Allez, voilà. On paye les factures. On va aller remettre tout ça. 60. 175. 500. Tac. Oh mince. Et puis non, oh, 2 heures. Pff, ouvrir. Ouvrir. Mais pourquoi j'ai ça? J'en veux pas de ça. 7, 1. C'est pas terrible, hein. Toi, tu vas aller servir le repas. Servir le déjeuner, tacos au poisson. Viens, allez, va bosser un peu. Et il y a de la vaisselle à faire, non? Eh oui. Nettoyer. Toi, tu vas lire quelque chose. J'ai dit. Voilà. Et moi, c'est sur ce que je vais vous laisser. Donc avec madame qui fait à manger, monsieur en train de lire, et les deux bébés qui ne dorment pas, mais qui sont sages. Donc, on se retrouve dans 2 semaines pour l'épisode numéro 8. En espérant que ce challenge vous plaise, je vais vous souhaiter un bon appétit, une bonne journée, de l'amour, enfin tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao !